ça y est, je suis bien arrivée à Hawaï. Alors, j'étais censée retrouver maman qui arrivait un peu plus tard que moi ce soir, mais finalement, elle a raté son vol, sa correspondance à Seattle. Donc voilà, on se retrouvera demain matin. Bah, c'est parti pour l'aventure, la fin de la prépa, les compètes, la saison. C'est ouf, ça y est. Maman est bien arrivée aussi à Hawaï. Mais ouais, avec toutes ces péripéties que je vous ai dit hier, elle est claquée, elle a débarqué à genre 6h30 du matin aujourd'hui, donc ouais, la pauvre, l'enfer. Deuxième matin à Hawaï et bon, on est un peu plus en forme et les vagues ont un peu baissé, on va surfer à Aliva. Franchement, ça a l'air trop fun. Et puis c'est un beau matin, il fait beau. Regardez cette belle plage. Carrément la galère, il y avait 1000 personnes à l'eau, j'avais pris une planche un peu trop petite. Ouais, erreur de débutant. Enfin ouais, ça a l'air fun les vagues. En fait, c'est énorme et c'est hyper puissant. Pour finir la journée, une bonne petite séance de yoga avant d'aller manger chez Leiki. We're having tacos, taco bowls. Mexican bowl, right? Yeah, sorry. Mexican sorry. Bowl. That's so we have rice, so fancy. Veggies, whoa. The meat. Oh, mama. Beautiful. We have guacamole, cheese. Salsa. Salsa. Nice. Said. Very nicely said. Well salsa. Done, mama. On est chez Leiki, on est la semaine avant la compète et on va passer un petit repas ensemble, c'est bien sympa. Il y a Molly qui loge un peu plus loin, dans la même résidence j'ai l'impression. Et ouais, c'est cool, maman est là-bas, on regarde le tennis. C'est cool de se retrouver après l'intersaison. What's happening? What are you doing?
finished. What do you need from down Tell there? Tell the blog. We're just heating the bowls up because Mikey doesn't have a microwave. My microwave broke. Me downstairs does. Oh gosh! Aujourd'hui, j'ai pu récupérer mon cuiver hawaïen qui est fait en Californie par Marcio. Assez optimiste à chaque fois, donc je me dis non, ça va rentrer, mais là, ça ne rentre pas dans la voiture. Ce matin, c'est à peu près quoi, 3 jours avant la compète et on vient faire en gros des interviews, des photos, un test pour savoir si on a des traumas crâniens. Et tout ça, c'est organisé par la WSL et c'est un peu les photos qu'ils utilisent et les interviews qu'ils utilisent toute l'année. J'espère que je suis pas trop en retard et que je vais avoir le temps de passer au maquillage avant les photos. On a récupéré toutes ces planches hier, je les prépare et je vais aller en essayer quelques-unes. Il y en a des très grandes, ce sera plus pour Sunset, le 6-4, 6-6. D'ailleurs, je crois que je vous en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps de filmer, mais hier, ma 6-2, je l'ai cassée. Billy Kemper m'est passé dessus, du coup, j'ai une énorme entaille dans la planche, enfin bref, j'ai dû l'amener à réparer. Donc heureusement que j'ai reçu d'autres planches déjà aujourd'hui. Bon, on arrive en fin de journée, je vais faire mon petit entraînement. J'ai l'honneur d'avoir Mamou avec moi pour cet entraînement. D'ailleurs, si vous voulez voir notre routine de mobilité, il y a une autre vidéo qu'on a postée il y a quelques semaines déjà où on vous détaille tout. Elle dure à peu près 10 minutes et franchement, moi je le fais avant le surf, avant mes entraînements. Enfin, on le fait hyper régulièrement, le matin en me réveillant. Et ça fait trop du bien. Le début de la saison pour nous, c'est un peu comme la rentrée des classes. Et on commence toujours par un meeting de pré-saison avec la WSL. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? On se fait pimper pour la soirée des Awards Night. C'est une soirée que la WSL organise en début d'année pour récompenser les champions du monde et championnes du monde de l'année passée. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, moi, parce que j'ai raté l'année dernière. L'année d'avant, il n'y a pas eu. Hello, vlogging! Hi! We're so happy! We're at the same table! The girls table. On est un peu loin, on est à la table numéro 8. On est assis, on est tous assis, c'est du coup la soirée du banquet. Et la scène, elle est là-bas. Oh, le réveil est dur ce matin. On est parti pour un shooting Samsung. Je sais qu'ils ont shooté avec Jack Robinson et avec John John déjà, et moi c'est aujourd'hui. Et la veille de la compète, c'est pas souvent que je fais ça, mais il n'y avait pas d'autre moment. Et puis en plus, on a vu que le forecast demain était pas ouf, donc ils n'allaient sûrement pas commencer la compète. Backstage de notre shooting avec Samsung. Maman est clairement impliquée dans le shooting, la pauvre. Ça, c'est notre petite cuisine, donc en gros ils ont loué un Airbnb pour qu'on fasse croire que c'est chez nous et qu'on fasse un peu notre vie sur le tour, comme si on préparait les compètes. On est à la plage, c'est la veille de la compétition. Bon, si on regarde le spot, c'est l'enfer, il y a du vent, on n'a pas surfé aujourd'hui, personne n'a surfé. Moi j'ai dû shooter du coup toute la journée, mais là on est à la cérémonie
cérémonie avec un hommage à Andy Irons. Il y a du monde sur la plage, c'est trop sympa. C'est un peu la tempête à Hawaï, il y a vraiment beaucoup de vent et le spot est vraiment dans tous les sens aujourd'hui. Demain ça va être encore très venté, du coup ils ont directement annulé la journée de compète et on a notre prochain call mercredi qui sera sûrement pas mal pour une bonne journée de garçons et nous peut-être les filles jeudi. Voilà, ce matin on a surfé à Aliva, on a pris un petit déj en ville et puis là je travaille sur ma voix off du vlog de Te Upo. Ça va changer un petit peu, enfin vous l'aurez déjà vu j'imagine d'ici là, mais en tout cas ça a changé un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cette forme, enfin cette version aussi. On est le troisième jour de compétition, mais les deux premiers jours ont été Delay Day. Ça a été la tempête, mais hier soir ça s'est bien cliné. Normalement ce matin ça devrait être pas trop mal, peut-être ça va bouger encore un petit peu, mais normalement dans la journée ça devrait se cliner. C'est encore gros donc je pense qu'ils vont faire les garçons aujourd'hui et nous les filles ça sera demain. Là je me fais mon petit café et puis on va aller quand même aller voir ces vagues et essayer de choper 2-3 vagues ce matin. Je sors de l'eau, j'ai fait 45 minutes et franchement j'ai pas eu une vague, mais bon c'était vraiment cool d'être dans l'eau, de me rendre compte que ben, je pouvais être sur le côté sans prendre des vagues sur la tête et essayer de prendre des plus petites. Là c'est quand même hyper gros aujourd'hui, ils lancent les garçons et la première série. Ça y est, aujourd'hui c'est la journée où le pipe va commencer sûrement. Je viens de me réveiller, je vais faire mon petit warm-up. Vous connaissez la routine maintenant. Warm-up, café, tartine, un truc comme ça. Et puis, on va aller s'entraîner à l'eau. Bon, je vais m'entraîner. Le col est reporté d'une heure parce que, en fait, les conditions, c'est pourri. On pensait que ça allait être grave et, en fait, il n'y a pas de tout. Bon, c'est finalement off aujourd'hui. On avait beaucoup pensé à cette journée que ça allait être perfect pour les filles et ça l'est pas du tout. Le vent offshore il se met pas, du coup les vagues c'est un peu onshore, ça crumble. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est que des turns et franchement pas évident du tout. Donc voilà, on attend, donc c'est off pour aujourd'hui et off pour demain. Je vous amène avec moi comme il n'y a plus personne là. Maman est là, on a là-bas le canapé avec la télé, on a quelques sièges, on a des vélos pour s'échauffer avec des élastiques, etc. Là-bas, on peut mettre toute notre planche. Et de ce côté-là, un peu après, c'est là où il y a les juges. Voilà, toute cette tour ici, c'est là où il y a les juges, bien en face du pic. Les physios et les docteurs là-bas. Et ensuite, la nourriture. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Bon, on a eu une petite idée, on va aller essayer les grandes planches à Sunset aujourd'hui parce que demain c'est off encore à Pipe. Ah, la combi qu'Onil m'a fait avec des petits pads pour me protéger, me faire remonter un peu plus vite. Franchement, c'est la première fois que j'essaie ça, c'est assez cool. Et là, comme en fait c'est carrément l'hiver et qu'on se pèle, bah, j'ai mis un top dessous, un top avec des manches lycra, enfin bref, c'est trop bien. Ça va être trop cool.
3 jours off. Aujourd'hui, on s'est réveillé tranquille et c'était la tempête sur le North Shore. Du coup, on vient à Waikiki. Du coup, là, on fait shopping et après, on va surfer un petit peu. On rejoint Carissa. Ça va être vraiment fun. Et Fredo est trop content de nous accompagner. Et ça, c'est Waikiki. Et en fait, c'est les gens qui habitent à Honolulu qui n'ont pas de place dans leurs appartements pour garder leurs grandes planches pour surfer à Waikiki. Et en fait, voilà, c'est la ville qui a mis à disposition ça. Ils mettent un petit cadenas et hop, ils peuvent venir chercher leur grand longboard pour surfer. C'est trop stylé, j'adore. Avec maman, c'est notre deal. Si je l'amène à Waikiki pour faire des magasins, elle est obligée d'aller à l'eau et venir surfer avec moi. On a donc loué une 10 pieds pour que je puisse l'amener surfer avec moi. On attend la bombe. Bon, d'après maman, c'est très difficile d'être assise sur la planche. Voilà, c'est enfin le début de la compétition pour les filles. Je suis vraiment hyper excitée d'aller à l'eau et de pouvoir démarrer la saison. Et Fredo Robin m'a rejoint à Hawaï pour cette compétition à Pipeline. Oh, c'est enfin normalement une journée de filles. On y est, les vagues sont là ce matin. Bon, c'est pas encore parfait, mais avec un petit peu de vent au soir, ça sera bien. Et voilà, je vais aller m'entraîner un peu. Deuxième jour de compète pour les filles. Ils ont lancé l'Elimination Round et le Round 3 des filles. J'étais à la fin de la journée, j'ai dû attendre et être patiente encore une fois. C'est dur, mais ça passe, hein. Ouais. Super. Putain. C'était dur. C'est la fin de journée, ma deuxième journée de compétition. Je suis passée face à India Robinson, donc je suis en quart de finale et dans le finals day demain matin. Je vais être face à Molly, donc ça va être un gros morceau. C'est elle qui a fait les meilleurs scores de la compète, mais bon. Demain, je crois qu'il y a vraiment des bonnes vagues. J'espère que j'aurai plus d'opportunités. Ça y est, c'est finals day. Ils ont commencé par les quarts des garçons, ensuite les quarts des filles. Ils vont faire ensuite les demi des filles, demi des garçons, finale. Donc voilà, c'est une grosse journée, belle journée. Et les vagues sont énormes. Il y a certains garçons qui prennent pas non plus beaucoup de vagues. Donc ça va pas être si facile. Et puis va falloir charger. Action here, priority with DeFay. DeFay scratching into this one. Back door, stalls off the bottom. Nice tube right there for the surfer from Ewing Island.
adds a big slash on the end there. Ouais, j'ai pris cher, j'ai pris sur ma deuxième vague la boîte, j'ai tapé très fort les rochers et du coup j'étais pas bien après. Enfin, j'étais pas mal genre nauséeuse, mais bon, j'ai eu peur et tout, donc j'avais limite plus trop envie de redémarrer une autre vague. Mais bon, donc ça va me faire du bien un peu la glace. Un petit lunch pour se remettre. Bon, je perds pas l'habitude, je sais que normalement ça devrait aller. Le Pipe Master se finit avec une magnifique journée de surf, des super performances des filles. J'ai été vraiment impressionnée. Pour ma part, je fais 5e. Et nous avons que 24 heures pour nous préparer pour Sunset. Le forecast a l'air d'ailleurs assez capricieux, donc on verra bien ce que ça donne. Salut! Allez, c'est la fin de Pipe! Tchit! Merci les gars!